Il est progressé dans mon plan pour faire des tropicaux une superpuissance mondiale. Il doit maintenant établir une économie forte. Et je sais que l'île convient pour ça. Yermo Encarnado est un caillou dénué de ressources. Mais l'île est très proche des routes commerciales internationales. Parfait pour devenir le cœur industriel des tropicaux. Pour y parvenir, je vais avoir besoin de l'aide de mon nouvel ami, Keith Preston. J'aime les gens qui sont intéressés que par l'argent. Ils sont prévisibles. Moi, c'est le pouvoir que je veux. Le pouvoir ultime. Hey, salut les amis, c'est Aki et bienvenue dans un nouvel épisode de Tropico 4, le Walketrug. Et oui, ce sera le nom de toute façon de cette série, qui est, c'est déjà son nom de toute manière. J'espère que vous allez bien. On continue donc avec cette fois la mission numéro 4. Let's play. let's go, on va leur faire rejouer, comme vous le savez, je les ai déjà faites, mais il y a longtemps. Et du coup, on les refait avec bien sûr mon avatar personnalisé. Voilà, Akira Los Malinos. Et c'est parti! Salut, partenaire! J'ai préparé le contrat selon les termes que nous avons discutés. En échange de 20% des parts de l'industrie de Yermo, je finirai notre opération à hauteur de 20 000. Et j'enverrai quelques-uns de mes précieux employés améliorer la main-d'œuvre de l'île. Récompense 20 000 au trésor des immigrants étrangers arrive. D'accord. Ok, c'est parti. Donc voilà, on est sur une nouvelle île. Et il faut faire quoi, déjà? Je sais pas. On n'a pas de mission principale, c'est pas grave, on va commencer par faire des quelques logements en attendant la mission principale. Et en tout cas, je voulais vous remercier les abonnés, car vous êtes de plus en plus nombreux déjà. Et je voulais vous remercier parce que vous me donnez quelques petits conseils sur la façon de jouer de Tropico 4, Judge of Empires, même si vous dites que je suis qu'une pauvre merde, et ça je le sais. Merci quand même, parce que oui, donc c'est vrai, Judge of Empires, je me suis pris une raclée avec Alexis la dernière fois. Alexandre, excusez-moi, donc Alexandre qui est à Robaz. Sur Tropico 4, voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent faut faire ça. Et en effet, vous avez raison, donc c'est très bien. Et je vous en remercie parce que grâce à vous, j'apprends. Voilà, je vous apprends des trucs des fois et vous m'apprenez des choses en retour. Alors ici, nous avons des ranchs. Que se passe-t-il ? Pour compenser le manque de ressources brutes sur l'île, nous devons procéder à des importations. La première étape de notre plan consiste à établir un bureau des douanes. Très bien. Donc, pour avoir des importations, il faut un bureau des douanes. Dans le gouvernement ? Non. Non, pas bien-être économique. Ah si, peut-être bien-être économique ? Non. Si, c'est exactement. On va le mettre vers le... Là, ça serait bien, non? Ouais, ça fera plus réaliste, du moins. Et puis, il va se construire tout doucement. Là aussi, ça se construit. Je pense qu'on va mettre des logements gratos, ce serait bien. Qu'est-ce que c'est ça? Définir le loyer pour tous les bâtiments. Ah oui. Bon, voilà. Toi, gratos aussi. Allez. Et supprimer une fois lui terminé. On va mettre du test maximum. Parce que sinon, on va y passer toute la nuit. Ici, nous avons des ruines. Un fort colonial. On peut en faire un donjon. Ou un musée colonial. Donc pour les touristes. Ok, on va faire vers les maisons. Quelques divertissements pour mes tropiciens. On va faire un bar avant.
Bon, il y a du people. Il y a du people. Tout de suite, hop, démolir les bidonvilles qui vont me stresser, comme d'habitude. Donc voilà, donc surtout pour Tropico 4, je voulais remercier et faire dire un grand merci à Alexis17Geek. Donc Alexis17Geek, si tu te reconnais, ouais, casse dédié, wesh, t'as vu. Donc ben, tout simplement, merci. Voilà, ce qui m'a donné beaucoup beaucoup de conseils, donc tellement que je pourrais même pas tous les citer parce que voilà, il m'a posté plein de commentaires. Et c'était grave cool. Donc voilà, j'ai vraiment plein de petites astuces en tête, même là, juste à côté, pour pouvoir et ben avancer dans Tropico, quand je suis en galère ou tout ça. Donc merci beaucoup Alexis, c'est super sympa. Continuez comme ça les abonnés, vous êtes super, vraiment voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super cool. Je voulais faire une vidéo bonus pour les 200 abonnés, mais là on arrive presque à 220. Je vais quand même faire une petite vidéo bonus, hein. Dimanche qui arrive là avec @, on va faire une petite vidéo, même deux ou trois, hein. C'est une surprise. Je vous laisserai découvrir dimanche ou lundi. Je pense que je le publierai dimanche soir. Ouais, ce sera très bien. Donc voilà. Donc pour l'instant, notre tournage est prévu dimanche. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a un problème, bah voilà, ce sera pas notre faute. Il est temps de bâtir le cœur de notre industrie, partenaire. Construisez une conserverie et autorisez l'importation de café dans le panneau des constructions de l'Almana. Très bien. Donc, du café en conserve. Ça doit pas être terrible, mais bon. On va quand même faire du café en conserve, hein. Alors, il nous faut Qu'est-ce qu'il veut déjà? Un truc de... Une conserverie. Voilà, une conserverie. Payé. Conserverie. Et on va faire un coin industrie. Parce que c'est pas bien... Ah si, c'est bon. Ouais, mais c'est pas très aménageable, en fait. Et on va le mettre là. Voilà. Et dans l'almanach, il voulait... de bâtir le cœur de notre industrie, partenaire. Autoriser l'importation. Donc ça, c'est l'almanach, je crois. Ouais, mais non. Non, c'est pas là, si. Non, ça, c'est les décrets. Quoi encore ? On va voir. Ou c'est peut-être là. Atelier clandestin. Allez-y, mollo. Mince, c'est où pour autoriser l'importation ? Ah, voilà. Oui, autoriser l'importation, s'il vous plaît. Ok. Très bien, très bien. En tout cas, comme je vous disais, pour dimanche, donc je vais faire une petite vidéo avec mon petit @. Et donc ça, il y a moyen que ça envoie. Je vous donne juste un indice, je vous dis juste sur quoi c'est. Ce sera juste sur Age of Empires 3, voilà. On va refaire un jeu sur Age of Empires 3 à 2. Et voilà, je vous dis rien d'autre. Enfin, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein, mais ça fait un petit moment qu'on attend de le faire, qu'on a envie de le faire. Donc voilà. Voilà. En attendant, si vous avez des conseils à me donner sur Age of Empires 3 ou quoi que ce soit, allez-y, parce que je vais en avoir besoin. Voilà, c'est juste l'indice que je vous dis. Là, ici, on a une mission. Donc c'est parti pour la mission. Hola, Presidente. Comme vous le savez, un seul dock ne peut recevoir qu'une masse limitée de biens importés à chaque fois qu'un navire aborde l'île. Très bien. Apparemment, nos dockers sont trop paresseux et refusent de décharger de grosses quantités de produits importés. Construisez plus de docks, donc construire un autre dock. Très bien. Est-ce qu'on le construit au même endroit ou on le construit là-haut? Ce sera bien là-haut. Ouais. Ouais. Donc je crois que c'est dans l'infrastructure. C'est exactement ça. Ça coûte 2000. On a les sous.
Et ça coûte combien à la construction? 4000, très bien. On va le mettre là. C'est bien là, non? Hop. Et bien sûr, la petite route qui part là et là. Et voilà. Donc, désolé les amis, parce que je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de fermer la fenêtre. Et sachant que c'est un peu loin, que je suis installé et que c'est galère pour m'en aller, pour machin, c'est pas bien grave, mais j'espère qu'en tout cas vous n'entendrez pas les voitures qui passent, parce que je suis juste à côté de la route. Enfin, c'est pas une route, c'est pas national, hein, c'est un petit chemin. Mais bon, oui, je baille, comme dans tous les épisodes. En espérant que vous n'entendiez pas les voitures, et si jamais vous les entendez, j'en suis navré. Ici, alors, oui, qu'est-ce qu'il y a? La piété de nos concitoyens. Ah, il n'y a pas d'église. A besoin de temple. Eh bien, on va faire une petite église, si vous voulez, voilà, pour une fois que vous voyez que je cède aux demandes, je vais faire une petite église pour mes citoyens. Voilà, une petite église ici. J'ai des sous, ça leur fera plaisir. Et voilà. J'en reçois des sous de l'URSS et des USA. C'est ma foi plutôt pas mal. Ok. Donc, il me faut deux docks. Ok, il est là. Toi. Ok. Donc, on a autorisé l'import, voilà. Atelier clandestin. Donc, l'almanach, c'est bien ça. Il m'a dit d'ouvrir l'almanach et autorisé à l'import. Général, ce sera dans commerce. Commerce, tout va. Ouais, mais c'est juste des graphismes, des graphiques. C'est pour voir, c'est pas pour. Voilà. On peut rien autoriser et annuler ici. C'est bien ça, la menace. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Excusez-moi les amis, si cela c'est pas très passionnant, mais bon. Vous voyez, ça fait partie du jeu, hein, de toute manière. Importation principale. Café. Non, c'est juste pour voir le graphique. Oh, c'est tant pis. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai... Là, l'import a été... n'est pas interdit, enfin, a été autorisé, donc. Y a pas trop de bidonville, ça va. Ouais, ça va. On va refaire d'autres maisons. On va refaire d'autres appartements qu'on va mettre ici. Parce que, ouais, y a quand même du monde, hein. 69 personnes. C'est pas énorme, mais. C'est plutôt pas mal, là. Qu'on sait. Je vais faire un truc bien. Ah non, je vais faire ça, regardez. Tac, appartement. Tac. Hop. Tac. Infrastructure. On va faire un truc bien, un peu aménagé. Bon, c'est un peu trop carré, hein, mais vous savez qu'Aki aime bien quand c'est bien carré. Bien carré, bien moche. Hop. On va en mettre une là et fermer ici. Voilà. Puis on en mettra d'autres là après, hein, par la suite. Vous avez compris où je veux en venir. On va mettre un marché. Ce sera toujours bien pour mes habitants. Alors, le petit marché, voilà. Et mais ils vont manger quoi? Parce que j'ai rien en fait. J'ai rien et puis je peux pas. Hé hé hé, regardez. Penultimo a perdu les plans. Hé hey, hey. Et oui, ils sont malins. On va faire un quai de pêcheurs. Il y en a déjà deux là. On va faire un là si c'est possible. Ce serait vraiment bien si c'est possible. Ah non.
Et mâché. Tant pis. Au pire, là, mais ça sera peut-être un troisième doc par la suite. Je ne sais pas. Tiens, hop, voilà. Donc là, vous avez pas mal de choses à construire, mes petits charpentiers. Donc, on s'active. Est-ce que c'est normal que je sois toujours à zéro, là ? Il est temps de bâtir le cœur de notre industrie, partenaire. Construisez une conserverie et autorisez... Dans le panneau de construction de l'almanach. C'est là, hein, y a pas de... Usine de conditionnement, 3000, production plus 25, hop, voilà, ça peut aider. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui crie? Quelqu'un qui a crié? Ils sont bizarres, les tropicaux. Un petit peu trop bizarre. Tropicaux. Hop, voilà. La production un peu plus riche. Toi également. Voilà. Donc toi tu produis quoi, Coco? Des bovins. Et toi, bah pareil. Des petits bovins. Des vavaches. Des bebeufs. Mademoiselle Ananas. Presidente, savez-vous que votre conseiller, Penultimo, écrit son nom pas avec une, pas deux? Très bien. Madame veut une école, on peut faire une petite école. C'est Mademoiselle Ananas. Mademoiselle Ananas, on ne lui refuse rien, hein. Vous la connaissez. C'est ma petite préférée. Alors, on va faire une petite école primaire. On va peut-être la faire. Ah, c'est dommage. On peut la mettre là, non? Ah, oh, c'est magnifique. On va la mettre comme ça. C'est merveilleux. C'est magnifique. Hop, ok. Donc on a pas mal de sous, c'est bien. Enfin, pas trop ni pas assez. C'est très bien. Ah si, c'est bon, le café se vend. Il s'exporte, c'est bien. Donc voilà, dans ces cas là on attend, hein, vous savez comment qu'on fait. On attend un petit peu et puis voilà. Là bon, ça se construit tout doucement. Là c'est vide, bah, parce qu'il n'y a personne. Autant construire d'avance, hein, et avoir des bâtiments d'avance. C'est plutôt bien. Comme ça, voilà. Ta-da-ta-ta. On a 26 000, 23 000. Un cargo à exporter de marchandises de Tropico, blablabla. L'église, ils l'ont, ils sont contents. L'école primaire, ils vont l'avoir, ils vont être contents. Les éoliennes, ouais, mais ça me ferait chier. Si elles marcheraient mal, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Encore ça, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de bois non plus. On peut pas faire de camp de bûcheron. Ou alors on peut en faire un, mais il sera pas très productif. On va faire un peu de divertissement, on va faire un cabaret. Vous savez, Kaki aime bien quand il y a un cabaret. On va le faire là. On va le faire à côté de l'église. Nickel! Un cabaret à côté d'une église. Bah oui, ouais. Soit quand on a fini la petite prière du dimanche, on sort de l'église et on va se divertir au cabaret. Ou sinon, quand on sort du cabaret, on veut se confesser un petit peu, c'est se nettoyer de nos petites salissures. Voilà quoi, on va à l'église. Ça, j'enlève, parce que les cages à lapins, c'est dégueulasse. Enfin, vous le savez, les amis, c'est pas beau. Le marché, là, combien ça coûte? 375, hop, voilà. Comme ça, il est construit. Là, bien sûr, il y a des bidonvilles qui s'installent encore, alors qu'il y a des logements gratos. Tac. Bon, bah, faut attendre, hein, faut que ça évolue. C'est pas très jojo, c'est pas très très...
Les instructifs. On va faire une clinique, comme ça, ce sera fait. Avant qu'il m'en demande une. Et on va prendre un médecin. Deux médecins de l'étranger. Voilà. Allez, là, faut enlever tout ça. Hein, on va faire un... Ah, mais est-ce que j'ai un... Bah oui, j'en ai un. Bureau des routiers. On va en faire un autre bureau des routiers juste à côté. Juste en face. Comme ça. Hop, voilà, nickel. Construction rapide. Je m'en fous combien ça coûte. Ah, si, ça devait coûter assez cher. Une pétition a été envoyée. Ouais, mais... Ah, bah j'étais dans le rouge, je ne le suis plus. Tant mieux. Merci les USA et l'URSS. Ils voulaient un musée de l'enfance. C'est dans attraction. Non, dans divertissement. Ça coûte 2000. Allez. On va le faire là. Juste en face. Enfin, juste en face, un petit peu à côté de mon palais. Tac, 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 tac. Ok. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Donc en tout... J'arrive pas à parler. En tous les cas, j'espère toujours que cette série vous plaît. Hein. En tout cas, vous êtes nombreux à la suivre et ça me fait super plaisir. Je le dirai tout le temps, de toute façon. Ça me fait super plaisir parce que ça me fait vraiment super plaisir. Quoi. C'est... Voilà, c'est donnant-donnant. Moi, je vous donne des épisodes. Ça a, ma foi, l'air de vous plaire. Et puis, bah, de toute manière, je fais tout pour que la qualité soit à son maximum. Hein. Que ce soit niveau image comme niveau son. Et mince, pourquoi je fais construction rapide? Je suis bête. Oh. Vas-y, dis-moi que tu peux me filer des sous, toi. Le peuple veut de l'action. Apposez votre signature sur ce décret. Ouais. Je m'en fous, en fait. Vas-y, refusez. Hop, je suis un malade. USA, URSS, vous voulez pas me donner des sous? S'il vous plaît, ça serait bien. Parce que là, tu... oh, je baisse. Je baisse beaucoup, beaucoup. Et oui. Allez, vite. Presidente, tu vas aller bah, ouais, au cabaret. Oui. Tu vas au cabaret. Quelle affaire et qui est l'attention tout de suite. Du président. Voilà. Donc, visite du cabaret. Est-ce que ça se passe bien? Il est à l'église aussi. Où en est mon peuple. Je alors. Veux que vous me rendiez un service, partenaire. J'ai été quelque peu occupé dernièrement à restructurer ma société. Je ne peux pas licencier sans scrupule les ouvriers dont je ne veux plus. Nanani, nanana. Accueillir 40 personnes, pas exceptionnellement brillantes, parmi ma main d'œuvre. Je ne veux pas un seul de vos employés de plus. Qu'ils viennent, plus on est fou, plus on rit. Plus 40 immigrants, plus 20 au trésor. Ah bah, tant qu'il y a des sous, moi je dis oui. On est bientôt là, au 1000, c'est cool. C'est cool, c'est cool. El Presidente, wow, tu vas aller bah là, tiens. Regardez vers vous-même. Regardez vers vous-même. Où en est mon peuple ? L'école. Bientôt. Oh, Akira. Oh, Akira Ibaya. Et oui, encore. Encore et toujours. Ça va être mon slogan, voilà. C'est un coup de bail, et voilà. Tac, 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 tac. Oui. On a besoin de vrais bâtiments de santé publique, camarade président. Coco, je t'ai fait une clinique. Regarde, elle est là. T'arrêtes. Et on va pas faire de la médecine préventive, mais on va faire... lorsque le membre d'une famille visite, les chances que la femme devienne mère augmentent de 50%. Augmente d'un an la durée de vie des visiteurs à chaque visite. 5 ans maximum. Ça, c'est bien. Et l'autre, c'était quoi? Après une visite, le besoin a baissé de 20%. Bah voilà, nos 40... Non, on va mettre ça, c'est plus.
On va faire des logements. Ouais. Ce serait bien. Ce serait très bien. Hop. Et voilà. Plein de logements. Avec les 40 qui viennent d'arriver, ça va être top. Être la plus grande nation sous le regard de Dieu est une corvée. Nous voulons que ça paie. Nous avons donc décidé de créer un impôt de la liberté sur les pays dans votre genre, pour vous apprendre le libre-échange. Très bien. Donc ben, on va lui payer 2000 de toute manière, comme ça, peut-être que vu que si ça augmente le respect des États-Unis, peut-être qu'on va avoir plus de sous des États-Unis. Oui. Oui, ce sera mieux. Tac. Ok. Donc là, il est toujours pas construit, lui. 3000 pour la construction. Allez, vas-y, on est des fous. On est des fous, malades. Ce bâtiment dispose pas d'ouvriers ou nanani nanana. On va peut-être faire une petite route juste là. Tac. Non. Voilà. Juste comme ça. Hop. Bon bah voilà, ça avance plutôt bien, on arrive bientôt au 1000, en espérant, ce serait bien qu'on arrive au 1000 avant la fin de la vidéo, on va voir si lui va les prendre, ce serait bien, parce que là il y en a pas mal. Je ne suis pas content de la vitesse à laquelle notre opération se poursuit, partenaire. Le temps c'est de l'argent, et on n'en a jamais trop d'argent. Jamais. Exporté pour 100 000 de biens industriels en 8 ans. 30 000 au trésor. Des biens industriels. Donc, c'est pas forcément que du café. Très bien. Et ben, c'est parti. Je viens de lancer la mission. Et c'est la fin de cet épisode, les amis. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut les amis, c'était Aki. Ciao.